Horoscope Gémeaux du 02 novembre 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope amour. La teneur de cette journée dépendra beaucoup de vous dans votre vie à deux. Vous saurez vous rendre sympathique quand vous le désirerez. Vous obtiendrez beaucoup si vous y mettez de la bonne volonté. Célibataire, journée très favorable aux intéressantes rencontres amoureuses. Beaucoup d'entre vous pourraient dénicher l'âme sœur cette fois, même s'ils ont jusqu'ici toujours échoué dans leurs recherches. Horoscope argent. Vous rencontrez en ce moment des difficultés financières? Ne comptez pas sur les astres, car aucun d'eux ne semble disposé à vous sortir du présent bourbier. La seule solution qui vous reste sera de limiter vos dépenses au minimum, de faire de sévères économies. Il faudra cependant se méfier de la fausse économie. Il n'y a pas d'économie à se coucher de bonne heure pour épargner la chandelle, s'il en résulte deux jumeaux, proverbe chinois. Horoscope santé. Vu cette ambiance astrale, vous devriez en principe bénéficier d'un bon équilibre physique. Cela dit, attention à Mars, la planète de l'énergie, en mauvaise posture dans votre ciel. Il vous vaudra un tonus en dents de scie. En pleine forme, par moment, vous pourrez vous sentir ensuite plutôt patraque ou nerveux. Faites du yoga ou des exercices de respiration, cela vous aidera à équilibrer vos énergies. Horoscope travail. Pluton en cet aspect aura pour effet de décupler votre ambition professionnelle, ce qui n'est pas un mal pour vous. Vous pourrez vous consacrer sans entrave à votre travail, avec peut-être la possibilité d'une promotion bien méritée. Horoscope famille. Avec cet environnement astral, si vos proches ne se montrent pas particulièrement tendres et gentils avec vous, vous aurez l'impression d'être rejeté, mal aimé. Attention, n'en demandez tout de même pas trop. Pensez à donner plus. Horoscope vie sociale. La solitude est sans conteste votre pire ennemi. Vous aurez besoin d'être encore plus entouré que d'habitude à cause de cet aspect de Mercure. De nouveaux liens d'amitié se créeront,